Kaystein Bourbon n'est pas seulement un crack cheval, c'est un chef-d'œuvre de l'élevage trotteur. Imaginé au fil des dernières décennies par Rainer Engelke et Jean-Pierre Dubois, son pédigré prend racine avec Nancy Hanks, formidable matrone américaine, nommée ainsi en hommage à la mère d'Abraham Lincoln. Par ses exploits successifs, elle marqua son temps à la fin du 19e siècle, comme le fait depuis 10 ans Reddy Cash, le père de Festheim Bourbon. Lauréat de 9 groupes 1, précoce et endurant, il fut lui-même auteur d'un formidable doublé dans les prix d'Amérique 2011 et 2012. Reddy Cash va survoler vers un deuxième prix d'Amérique. Prix d'Amérique, puissance 2, formidable. En quatrième, deuxième, The Best de l'Amérique est troisième. Rien qu'en France, les produits de Reddy Cash ont gagné plus de 50 groupes 1. Le plus fameux d'entre eux, Bald Eagle, figure de proue de la dernière décennie, désormais retraité, enlève à son tour 2 prix d'Amérique en 2016 et 2017. Et voilà Bald Eagle maintenant qui est lancé, tel un grand champion, il passe à l'attaque et à ce moment-là, on le sait, il est irrésistible. Bald Eagle qui s'envole vers un deuxième prix d'Amérique, quelle victoire! Mais Reddy Cash a également exporté ses talents de reproducteur et engendra ainsi Reddy Express. Bien que né en France, c'est pour la Suède qu'il prit en 2018 la succession de Bald Eagle. On va savoir si Bald Eagle est le super champion, il l'est, il va le faire, il prend l'avantage, mais un accord non résiste, et finalement le Suédois reprend l'avantage aux abords du poteau, qui en groupe a peut-être gagné ce Grand Prix d'Amérique. Le Prix d'Amérique, omniprésent dans le pédigré du champion, se reflète également à travers Love You, père de Vita Bourbon, tête de liste au tournant de l'an 2000, et dont la fille Bélina Jocelyn triomphait il y a 2 ans, 6 ans après Royal Dream, qui au terme d'une ligne droite somptueuse, privait Reddy Cash du triplé, c'était en 2013. Reddy Cash, Franck Dimard, le 18, attaqué par Royal Dream, le 8, Jean-Philippe Dubois, les autres sont loin, la France terrasse le reste de l'Europe, Royal Dream gagne Jean-Philippe Dubois, le border magnifique. La mère de Vita Bourbon, Caméra Bourbon, flirta avec les 200 000 euros de gains. Elle fut surtout la fidèle partenaire de son éleveur Rainer Engelke dans les courses pour amateurs, avant de donner Scala Bourbon, son meilleur produit sur la piste, lauréate de 4 groupes 2, attelés et montés. Et puis il y a Eta Extra, qui après Nancy Hanks, est l'autre jument marquante de ce pédigré. Acheté par Rainer Engelke, à l'issue d'une bataille d'enchères contre Jean-Pierre Dubois avec lequel il finit par s'associer, elle fut la mère de 2 championnes. Mara Bourbon, lauréate à travers l'Europe de 4 groupes 1 dans les 2 disciplines. En 2005, elle enlevait le championnat européen des 5 ans. Encore 150 mètres à parcourir, Jean-Pierre Dubois qui va remporter ce championnat européen des 5 ans avec la championne Mara Bourbon. Bravo Jean-Pierre Dubois, vous remportez cette course avec la grande Mara Bourbon. O'Hara, Mara Bourbon poursuit son œuvre et a déjà donné Follow You, précoce lauréat de semi-classique. La sœur de Mara Bourbon, Calita Bourbon, n'est pas en reste. Troisième à 5 ans du Prix d'Amérique 2009, elle enleva auparavant 4 groupes 1, dont le Critérium Continental, en 2008. Calita Bourbon, la championne, Camion de Vendée, le champion de Thierry Duval-Desfin. Calita Bourbon, Camion de Vendée, 2 chevaux d'exception. Calita Bourbon l'emporte. Comme sa grande sœur, Mara, Calita Bourbon prolonge O'Hara et a donné naissance à 3 gagnants de groupe, dont le talentueux Fabulous Wood, à la carrière éphémère mais brillante, et dont les premiers produits sont nés il y a 1 an. Son père, Reddy Cash, nous ramène à la branche la plus récente du pédigré de Festheim Bourbon, qui, comme 2 de ses aïeuls, va donc tenter ce dimanche un merveilleux doublé dans le Prix d'Amérique Legend Race.